Mais Premier ministre Joseph Jouta, chef CSPN, lui parlait hier dans le cadre d'une conférence pour la presse. Ça, qui ça PM n'a dit? PM n'a dit, m'a dit le chapeau à bon nous comme ça. Tout le monde qui a une machine vite teintée, gagne jusqu'à samedi, qui a venu là, samedi demain, pour le détenter. Parole, chef CSPN, non, qui c'est Joseph Jouta, qui précisait, c'est la machine officielle à code diplomatique qui gagne droit teinté. Parole, Premier ministre Joseph Jouta. Zami auditeurs, nous prêts maintenant, nous tendez, Premier ministre Joseph Jouta, sous parole ça. Côté, il dit, eh bien, toute machine qui teinté, il est prêt à déteinter, sauf machine officielle, avec corps diplomatique. Et là encore, il y a précision pour le poter sous ça, par rapport avec machine officielle, pas oublier qu'il a changé plaque, ancienne plaque officielle, là, il dit, il y a une nouvelle plaque. Et tout ça, il est prêt à l'entrer dans le détail. En écoutez, Premier ministre paysan, Joseph Jouta, pour plus de détails. C'est que toute machine teintée, machine vite, ça y est, vite fumée, yo interdit ou yo roulé sur tout territoire public là à partir de samedi. C'est que toute machine teintée, machine vite, ça y est, vite fumée, yo interdit ou yo roulé sur tout territoire public là à partir de samedi 6 mars. Quel que soit le monde, il a joué qu'à rouler avec une machine vite teintée, vite fumée, la police a pris mesure que la loi prévoit pour ça contre. Seule machine qui a exempté de mesures sérieuses, c'est machine qui a une plaque officielle. Nouvelle plaque officielle là qui est couleur jaune, ces machines corps diplomatique, ces machines corps consulaire. Nous avons posé une question et machine policière. Même machine police pas gain droit, machine la police, machine PNH, pas gain droit circuler avec des vides têtées. La police besoin circuler avec vite tête, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concerne Premier ministre tout, qui a une machine privée, mais Premier ministre, pour le sortir de la machine privée, vite la police est clé pour tout qu'on ait figure. Le besoin machine, la machine vite teintée, machine privée, bien entendu, la mise de sécurité dans le pays. Déclaration, Premier ministre Joseph Jout, nous connaissons PM Jout, son équipe très strict, elle a parlé, les gens sont sérieux, elle a parlé, mais PM Jout, clé sous ça, même à ta lui-même, hein, même à ta lui-même, eh bien, pas qu'à ce qu'il est, et, avec machine vite teintée, sauf que s'il y a un nouveau plaque, là, plaque officielle, là, et, quelque soit Jean Saïe, la police officielle, soit, y a, des bouts pas un nouveau plaque, là, pour permettre à machine, ou bien accès, circuler vite teintée, eh bien, la police, jeudi à là, clair, des samedis qui a venu là pour nous dire des préférences, il a commencé à mettre en application ensemble de mesures pour commencer à déteinter, quelle que soit machine, sauf avec machine diplomatique qui est même capable de circuler tout avec vitio teinté dans l'aria. Gros mézi, mais qu'on y a, l'irrité pour application, l'irrité pour population haïtienne, à regarder ça qu'on le fait dans l'aria. Est-ce que vraiment, la police, autorité concernée, pral mettre en application mes ici là. Police nationale a bayon conférence hier dans Kafoutijo, Bokanado, pour annoncer diverses mesures adoptées pour couper kidnapping nan 122. C'est un numéro PNH a annoncé qui est disponible à partir vendredi qui a venu là pour nous dire demain si Dieu veut. Pour citoyens relé pour s'y aller la police sous cas enlèvement yo. En attendant 122 a disponible en population qui a utilisé. De numéro ça yo 38 38 11 11, 38 38 11 11, AK 38 39 11 11, 38 39 11 11. Directeur général PNH Léon Charles annoncé au préalable augmenter fouille dans l'aria, si tout machine vite teintée li mettre plaque service l'état ou officiel. Léon Charles a profité voyons pinga by certains citoyens qui a misé yo joué rôle facilitateur pour négocier avec bandi yo sans yo pas gain accord parent victime yo. En côté directeur général à IPNH Léon Charles, le micro Jean-Philippe Macéan.
Point ça, on a fait, c'est pour nous rassurer la population, au commandement de la police, avec tout policier, des sénateurs, 24 sur 24, pour faire face à problème d'insécurité. Il y a une mesure que nous prenons pour nous capables de permettre que la population travaille avec nous, pour nous capables d'informations pour nous gagner, pour nous capables plus de résultats. Nous avons mis un numéro très simple pour que la population puisse communiquer avec nous. Le numéro ça, c'est 122. 1, 2, 2. Cap opérationnel à partir de vendredi. Côté population qui a relé la police là, n'a pris information pour agir rapidement ou bien pour nous traiter pour agir après. Parce que problème kidnapping, c'est pas un problème police seulement. Il vient tout un problème de société. Côté tout le monde doit participer à la donnée pour nous capable comment capable de rétablir la confiance pour nous capable pour population capable de rapprocher de la police. J'aime dire là, son responsabilité partagée. La police est prêt pour jouer Wolpal et n'a pas numéro de téléphone ça. C'est 122 24 sur 24 qui est disponible pour nous prendre information dans la population. La disponible vendredi, mais entre temps, la population qui a utilisé le téléphone ça 38 38 11 11 38 39 11 11 38 38 11 11 38 39 11 11. Donc c'est lié que nous avons établi avec la population pour ensemble, dans le principe responsabilité partager ça pour nous capables stopper le phénomène que la famille a souffert, la société a pas capable encore. Et la police a dit avec au commandement, nous à terre. Nous remarquons tout dans tout le monde qui a imposé tête en tant que négociateur. Sans yon pas gen autorisation par un monde qui enlevé yon, sans yon pas travailler avec la police. Moun sa yon faut connait, comportement ça pas bon. Et la police va rele yon pour yon wè qui motivation yon. Parce que tout ça rentre dans la stratégie que nous avons utilisé pour freiner, monter ka enlèvement yon. J'en ou wè, la police a mobilisé, nous avons fait 24 sur 24, nous avons fait des fouilles, intensifié fouilles yon. À travers la zone métropolitaine, question VITT, question plaque service de l'État, question plaque officielle qui n'est pas actualisée, la police n'a pas gagné, passe pour qui, la police a fouillé tout le monde, ces mesures préventives que nous avons fait, que nous avons pris et que nous commençons à prendre, renforcer pour nous capables de couper le phénomène. Donc, nous dans la rue, nous avons sollicité appui population. Pour nous capables plus de plus résultats pour ensemble à la population, mesures renforcées et pour que la paix finalement et de façon permanente retourne, pour que tranquillité d'esprit, pour que tout le monde à l'école, pour que nous empêchions que le pays respire et puis que tout le monde travaille à l'occupation. Voilà déclaration directeur général à IPNH là, Léon Charles, qui est même hier là, TATA là, pour nous dire bien, dans Cafoutis, je côté, il t'a parlé avec la presse, la conférence à Kiba dans la RIA, c'est pour prouver, population haïtienne, la police en mettait pied à terre pour contrer carré kidnapping. D'après parole, pour parole PNH à Gary Deosier, qui reconnaît un phénomène kidnapping n'a augmenté, pas beau ici, dans dernier jour, ça y est. On écoute, pour parole PNH à Gary Deosier. Réaliser que au commandant chef la police là, mettez pied la terre pour qui ça? On a réalisé depuis bien des semaines bien remonté de cas de kidnapping, enlèvement et séquestration. Ça a touché au commandement, notamment le commandant chef de la police nationale. Et j'ai ça que nous faisons point de presse là dans la rue, c'est pour nous voir le signal ça clair by population, pour nous dire que désormais et comme à l'accoutumée, pied au commandement et toute la police là à terre pour ensemble pour nous combattre le phénomène ça. Il y a pile famille qui est victime, il y a pile monde qui victime soit au niveau moral, parce que les enlèvements, nous, ça le fait comme au niveau moral et économique.
On avance toujours avec information, toujours dossier insécurité, dossier kidnapping là. Côté hier, mercredi, à la situation, t'es vraiment choqué là, t'es vraiment bouleversé dans le niveau Chanmas zone, bord, commissariat Port-au-Prince, côté Negaxam, l'ouvri coup de balle, sous divers citoyens et parmi eux, gagné plusieurs mounes qui sortis blessés et même gagné aussi là, qui perdit la vie. J'en dis à la deux mounes parmi eux, un jeune garçon, perdit la vie là, sous place des artistes, c'est place qui trouvé en face au commissariat Port-au-Prince et qui une femme enceinte qui les mêmes terroristes qui touchait tout avant lui avec une balle. Selon toute information, femme ça, dame ça, il a été transporté en urgence dans l'hôpital pour être capable à le prendre soin. Et n'a dit que c'est nègre sous moto d'après information qui fait qu'on est que qui t'a tiré sous Mounsayo que yo même après ça mettait vent dans voilio. De l'autre côté, n'est capable d'y niveau zone Rikapoa avenue Mani n'a pas qui pas trop loin base Udmoa. Eh bien, gain un policier qui lui-même yo kidnappé dans zone si là. C'est information ça yo pendant hier mercredi là qui était mouvementé dans en capitale là. N'a fait qu'on est tout hier là, situation pas trop bon dans niveau Gantier dans localité Papa. Écoutez monsieur Bas 400 Marozo Marcel qui gagne tête li dans mort 100 jours, monsieur qui mettait pio à terre là hier, yo bouleversé zone ça. Côté des yo autobus qui t'a prendre dans Saint-Domingue dans niveau Malpasse, yo prêt aller à passer dans ça, bien nek exam population, bien moun qui était sur place acquisé, c'est monsieur 400 Marozo qui l'ouvre coup de balle sous bus ça et gagne plusieurs moun qui y sorti blessé passagers et qui blessé gravement. Pour nous dire bien gagne yo information fait quoi qui soit qui ta ça c'est même mourir pendant journée par rapport avec coin soin que yo pas gagne prend assez. Je dis ah, c'est au moins 4 passagers qui blessé et gagne 2 là-dedans qui blessé gravement et pour qu'on y a qu'à prendre soin dans l'hôpital. Il y a encore j'en dis à yo acquise monsieur 400 Marozo qui t'a l'ouvre coup de zam sou monsieur sou moun yo sou kinambus nan dram sal passe dans localité Papay dans commune Gantier sou route Malpasse. Mais n'a dit monsieur 400 Marozo songe la fois passée la police a mené opération en base monsieur yo te couru quitter base nan. Mais monsieur qui semble te pas quitter base dan net yo t'a fait refuge l'autre côté et les retourner hier là yo sorti yo rivé mettez en pile problème en pile la Pérez en pile grenanger la caille moun sa yo famille sa yo qui t'a pralé Saint-Domingue qui t'est dans autobus si là. C'est comme ça situation les même litier hier mercredi à ni dans zone champ massa dans Port-au-Prince ni dans zone Gantier dans en commune Croix-des-Bouquets l'autre ça pour être capable d'y bien. N'avance avec information toujours Zach insécurité, Zach kidnapping, et bien gain médecin personnel médical l'hôpital La Paix Delma 33 qui marchait sorti devant l'hôpital La Paix pour arriver dans Carrefour Delma 33. Commandé justice pour docteur Enspadi bandit tout yakbal dans date qui était dimanche 28 février passé à protestataire dénoncé autorité au dit qui perdit contrôle sécurité pays hein. Dans ce sens on invite nous suivre un reportage avec collaborateur nous Jean-Philippe Massé. Oui, non, mec. La paix, dit pas j'aime, pas ouais, Timoun. Vous devez finir dans l'état, ne t'es pas dit à pro. Vous devez pas le monter machine, pour l'aller, pour dire ne t'es pas dit, bon Timoun, y'a pas quoi, oui. Il descend machine, malgré tes handicapés, il descend machine pour le vivre nous. Derrière l'hôpital La Paix prend un gros coup, son gros bout de coup, l'hôpital La Paix prend. C'est pas possible pour pays à continuer à compter cadavres, journalistes, médecins, commerçants, élèves l'école. Personne pas épargné. Ça pas doit continuer comme ça. Qui t'a fait ravager nous? Nous-mêmes, nous vivons, nous paix, nous avons machine, nous paix, nous avons moto, nous paix, nous avons gardé, nous paix. D'ailleurs, nous avons fait du travail, nous paix. Mais nous avons sorti pour nous faire nous dire nous. Attention, nous allons entrer en face de la croix. Donc, c'est dans le pays pour ça nous voulons. Le pays n'aura pas de ça. Nous avons justice pour notre capacité. Et nous avons dit à pas qu'il n'a pas. Et nous avons de sécurité. Sécurité pour tout le monde, pour tout petit pays. Sorti devant l'hôpital La Paix, rivé dans Carrefour 33, devant TNH, personnel santé, yo met genou à terre, dans soleil choua, et puis adressé yo à l'État. Nous voulons vivre, n'a pas tout fait. Parole jeune médecin ça a cap exprimé, a campé l'émotion dans voile, mandé autorité. Si gagné, dis un mot, nous pas capable continuer à flâner avec ce qu'est en babouane. Nous bouquons, tout le monde a quitté le pays, nous-mêmes en tant que professionnels de santé, nous restons dans le pays, nous vivons, nous ne pouvons pas
continuer comme ça. Tout haïtien doit lever campé. Lever campé. Je dis à Dr. Fadi mourir, mais il mourir. Qui est-ce qui attend pour mourir encore? Combien de monde doit kidnapper? Est-ce que le pays a fait pour ça? Que la vive, haïtien doit vivre. Nous bouquons à moi. Nous pas capables encore. Nous pas capables de vivre. En tout cas, situation a paraît dégénérée dans dernier jour ça yo. Insécurité a perdu frein. Laissez pas enlèvement, c'est assassinat. Chaque citoyen qui sortit la caille, l'aile récit entre, c'est go la prière et remerciement. Sinon, t'en appelles ravisse yo pour qu'on combien l'argent yo mette sous tête li. Ou bien, aller ramasser cadavre là, bolaria, ou bien en morgue. Jean-Philippe Marseillan, Radio Méga. Merci en pile Jean-Philippe Marseillan pour reportage ça. Laissez-moi dire non, cri ça, nous tendez dans voix d'âme non, tristesse ça, désolation ça, li la caille chagrin haïtien. Il la caille moins comme journaliste d'abord, comme citoyen d'abord, et la caille moins comme journaliste. Parce que, dernier temps ça yo, aucun monde pas épané. Parce que, bandi yo, ou senti niveau criminalité a la pour augmenter chaque jour dans le pays. Elle dit non, tout secteur, je dis à quoi, faut autorité yo, faut diriger dans l'État yo, président Jovenel Moïse, mélangé avec le premier ministre Joseph Jout, tout CSPN, dans l'État en entier, faut vraiment, yo prend des dispositions pour capable de croire avec son bandit dans la RIA. Parce que cri Saddam dans le voilà, c'est cri pas tout. C'est cri chaque grain de monde qui est dans la société en là. Je dis à l'air sorti, yo par contre si à entrer. Parce que yo ka mouri, be bandit capable de kidnapper yo. Président Sétique à l'hôpital La PA, Patrick a destiné à annoncer l'hôpital a été fermé jusqu'à ce que au jeune justice en Dignomo dans deux six ans. Sédicaliste a rappelé, c'est pas première fois en plein l'hôpital La PA, victime en bas mes bandits et même autorité dans l'État. Fois ça, Patrick a destiné croire, faut qu'il y ait un exemple tracé. Ses paroles, Patrick a destiné, l'été dans le micro, Jean-Philippe Marseillan. Nous obligés de prendre béton pour nous dire non. Pour nous dire non à bas kidnapping, à bas assassinat. Pour observer le pays à tomber. Ça va pour une énième fois que l'hôpital la paix encore en larmes. Nous ne devons pas un médecin avant ça. Plusieurs fois, nous avons cancer l'hôpital là. Agresser médecin, agresser personnel de santé. Dernièrement, ça grave un an. Nous avons déjà été dans l'état, c'est un pied. Nos médecins en l'hôpital là, puisque c'est obligé de qui te pays là. Mais dis-moi ça, nous perdons une médecin, peut-être un grand haïtien, je ne t'ai pas dit. C'est pas dit, monsieur l'État, assez. C'est trop sans couleur, mais nous, c'est assez. Et le regard vidéo, nous, c'est des professionnels qui exécutent docteur. Moi, je dis l'État pour responsabilité. Mais si vous n'êtes pas responsabilité, nous, nous n'avons pas responsabilité, pas nous. Si vous avez qui finance ça, nous, c'est que médecin, n'a pas de problème de travail, tout autant de jeunes justice le pays là. Et pour le moment là, nous campons. Nous campons pour association nationale propriétaire station gaz qui a annoncé au fermer pompe à essentiel à partir hier mercredi là dans l'idée pour protester contre kidnapping une maman estrictissa qui c'est Jean-Marc Condestin dimanche 28 février dans la commune Carrefour d'après président Anna Prouslan Marc-André Derifons environ 275 pompes qui fait partie estrictia après été fermé jusqu'à ce que au jeune libération Jean-Marc Condestin président Anna Prouslan mandé libération sans condition camarade radio écoutez les préférences Marc-André Derifons dans micro Radio Méga. Et association encore mode de preuve là, et à partir du fait que l'enlèvement de notre Jean-Marc Condestin, c'est un membre à la poste, arrivé en date du 28 février 2021. Et grève là, c'est pour matin que l'ensemble de preuve commence à fermer. Et la poursuivi jusqu'à ce que nous venions libération, M. Condestin. Combien pompes qui gagnent l'association? Nous allions environ 275 à travers le pays. Est-ce que y a l'autre association qui décide de rentrer dans le mouvement? Bon, l'association de propriétaires de stations, il y a que deux. Mm-hmm. Nous-mêmes, qui est en approche avec Anadip. Ok. Et bien que je m'étais parlé avec les présidents d'ailleurs, et qui a décidé que c'était une orientation et pour nous déploie. Et on nous rassure que
nous jeunes libération, qu'on fait là dans le meilleur délai. Au premier jour de enlèvement, nous avons eu une opportunité de travailler avec nous. Pas diminuer au fil du temps que le jour va avancer, la victoire a refusé que M. Parler. C'est au sérieux. On est arrivé par là avec une seule fois, mais actuellement, là, il y a une négociation qui est en cours. Et bon côté autorité concernée, nous pas gagné aucune démarche, nous entamé. Bon, vu que les sensibilités et budget, nous pas donné l'état à la famille de qui est rapport qui est supposé faire avec l'autorité de l'Italie. L'autorité doit être fait ça eux-mêmes. Nous pas voulu entrer dans la thématique ça pour nous stabiliser. C'est aussi la situation immédiate éventuellement vu que nous sommes en danger. Gen organisation politique en famille Lavalas qui voye sympathie tout le monde qui victime en Bazaka insécurité dans dernier jour sa yo tant coup docteur Ernst Paddy Edline lui et la trier ça qu'a privé là fait partie ça les théories d'état yon stratégie pour voir mettre sous place pour créer la pérèse car citoyen yo d'après porte-parole famille Lavalas Jodson Dirogène qui encourage citoyen yo faire légitime défense défendre tête yo face à qu'un n'importe citoyen ou machine suspect yo ta remarqué dans zone bol à caillou. En côté, Jodson Dirogène. Organisation politique famille Lavalas, c'est jeudi. Voyez sympathie by famille Edline Louis. Et même bientôt, nous voyons sympathie nous by famille Dr. Ernst Paddy. Et monde médical là qui prend un gros coup parce que Edline Louis, qui est absolue pour Timon et là-bas, qui sont infirmières et malfrats, eux-mêmes, ils ont assassiné. Même bientôt, société a connu. Docteur Ernst Paddy, que yo fait tentative de kidnapper lui et le fait que lui a une difficulté pour le déplacer rapide, eh ben nous voit que criminel yo yo assassiné ni et yo allé avec madame. Maintenant nous même dans l'organisation politique famille Lavalas nous indignés par rapport à ça capule ça yo. Même surtout nous indignés et face à eh ben quantité de monde y a kidnappé aujourd'hui dans pays ya. Parce que un pile monde kidnappé, un pile monde victime de kidnapping dans le pays. Mais n'a pas rappelé que nous-mêmes dans l'organisation politique famille Lavalas, nous t'ai dit déjà que qu'on prend massacre, qu'on prend assassinat planifié, qu'on prend kidnapping qu'a fait là yo, yo tout yo rentré dans ça nous relé, yo terrorisme d'état. Ça veut dire que c'est régime criminel BHTK, c'est bandit légal yo même qu'a fait et sac malhonnête ça yo, pour capable terroriser population. Ça fait nous même organisation politique famille Lavalas, nous quoi jodi a population peuple haïtien rivé dans kafou légitime défense. Peuple haïtien rivé dans kafou pour que effectivement c'est nous même qui pour sauver tête nous. C'est ça fait n'a demandé à tout policier qui yo même et toujours qu'on connaît que yo attaché à peuple haïtien, c'est la matrice peuple haïtien. Après une journée de protestation 28 février passé à la famille Lavalas croit peuple haïtien doit continuer à mobiliser pour jeune bout régime tête caléa. Johnson dit aux jeunes lancer un appel à bay différents estrités dans société pour capable rejoindre yo dans transition salle publique là. Yo pouvoir qu'a formé avec monde crédible dans société haïtienne non. Pour parole famille Lavalas Johnson dit aux jeunes rappeler pas cash. Yo pas capable de changement, pour pas changer système non. Pendant ces temps que yo dit à changer système non, mais c'est parce que avec même yo voulez changer système non Jean l'autre acteur a parlé alors que yo même non famille Lavalas yo quoi faut que c'est une transition salie publique qui doit établir après départ président Jovenel Moïse dans tel pays Johnson Diogène. Écoutez bien, 28 février c'est suite à et ensemble mouvement que organisation politique famille Lavalas
lui-même nous t'ai déjà fait depuis après coup d'état électoral là. Et ça a fondil, c'est la vérité, si effectivement ensemble acteurs ça yo yo te rejoignent organisation politique Famille La Balas depuis après coup d'état électoral là, jodi a nous pas tap dans ça nous là. Jodi a nous pas tap perdu tout monde ça au la salle, nous pas tap perdu tout monde ça au belle, nous pas tap perdu Maître Doval, nous pas tap perdu Evelyne Sincère, nous pas tap perdu et Osmine Agent et cette fillette de 5 ans et sous Pombria. Nous pas tap victime de kidnapping ça en dans pays là. Et jodi a nous féliciter yo parce que eh ben yo comprennent qu'il y a nécessité pour rejoindre organisation majorité ya, pour rejoindre organisation peuple haïtien ya, pour rejoindre force ça qui c'est organisation politique Famille La Balas pour que effectivement jodi a nous aller ensemble eh ben dans route pour chavire chaudière parce que jodi a une nécessité c'est qui ça lié c'est que pour dégâts régime criminel PHTK fait là, pour moun assassiner, pour zami ou bay, pour l'argent ou volé, pour façonner craser institution yo, mais je dis à nous quoi une nécessité pour nous aller vers une transition et cap assurer à partir d'un gouvernement de salut public. Organisation politique Alliance Peuple croit CCLD pas président Jovenel Moïse qui est capable de résoudre un problème de sécurité d'après coordonnateur estrictis Didier Benel. Militant politique l'encourage et société à porter plainte contre tout ministre secrétaire d'État pour qui c'est eux-mêmes qui a porté parole président Jovenel Moïse qui a coupé craché dans le pouvoir tête calé hein, puis capable passer d'où votre tribunal après départ chef d'État pays Jovenel Moïse. Nous invitons de côté Didier Benel. Jovenel Moïse sort de Tibot n'est pas pour contre lui. Il gagne un ensemble de ministres, secrétaires d'État, agents intérimaires, délégués départementaux. Nous disons ensemble, Mounsa, c'est eux-mêmes qui ont un projet dictatorial là, ensemble avec Jovenel Moïse sort de Tibot. C'est ça fait nous-mêmes au niveau de l'Alliance Peuple et secteur démocratique là. Nous avons encouragé la société à pour nous capables de porter plainte contre Mounsa, parce que nous disons après que Mounsa a fini de quitter le pouvoir. Eh bien, il faut y aller devant la justice. C'est ça qu'on a encouragé nous pour porter plainte et nous, dans nous-mêmes, nous allons porter plainte contre les gens qui nous sont cités là pour association de malfaiteurs.